pourrez nous faire signe et on pourra vous donner le micro si vous voulez parler directement à Alix. Alors, bienvenue et vous avez à côté de moi Lise de Maisonneuve, donc Ouais. qui a eu, on vous l'a présenté, membre signataire SCA et tout Ouais. ça depuis combien de temps Oh déjà? mon Dieu, 1992. Oh boy! Ça fait longtemps, OK. hein? Ouais. Et puis, donc, spécialiste des chevaux surtout. Présentement, oui, on dirait. On dirait. Alors, elle va, ce soir, c'est justement un sujet sur un cheval, sur panneau de bois, c'est ça? Oui. Alors, ça dure environ 1 heure et demie, 2 heures à peu près, la démonstration, ce qui a été prévu. Peut-être ça peut déborder un petit peu. Alors, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vais laisser Lise parler un peu d'elle-même, puis se présenter, puis on va se lancer là-dessus de cette façon-là. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent par la magie d'Internet. C'est la première fois que je fais une démonstration comme ça en virtuel. Alors, c'est assez spécial, mais je suis contente parce que je vois quelques petites figures. Alors, je m'adresse à des vraies personnes. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là pour vous ce soir. Je vais parler un tout petit peu de ce que je suis. Dès mon enfance, j'ai toujours été attirée par le beau dans la nature, les animaux, les beaux objets, la beauté de l'ensoleillement aussi. J'étais toute petite et j'observais beaucoup. Les couleurs aussi me fascinaient. J'adorais dessiner. Alors, quand j'étais toute petite, à 5-6 ans, c'était des dessins de 5-6 ans. Mais pour moi, j'exprimais mes émotions dans le dessin. J'adorais dessiner, j'adore encore dessiner. Même que parfois, je me demande si je préfère pas dessiner à peindre. Alors, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, de méditatif de dessiner. J'ai grandi et je suis devenue membre de la Société canadienne d'aquarelle en 1992. Ça fait assez longtemps déjà. J'ai exposé, fait plusieurs expositions. J'ai exposé en France. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs festivals d'aquarelle en France, à Brioude. Particulièrement, j'ai adoré cet échange avec les artistes, l'effervescence, l'inspiration. J'ai aussi eu l'honneur, la chance d'être choisie comme artiste peintre pour Cavalia. Mes tableaux étaient exposés chez Cavalia dans les chapiteaux lors de l'itinérance des spectacles à travers les États-Unis, à travers le Canada. Alors, ça a été pour moi, je dirais, une révélation du cheval. Pour moi, j'ai appris à observer sa morphologie, sa sensibilité, son comportement, puis ça reste encore une passion pour moi. Alors, je suis encore dans le thème cheval depuis 4 ans, probablement, là. Alors, ce soir, j'ai décidé donc de vous faire un tableau cheval. Je peux vous parler de. Je termine sur moi. Je peux vous parler maintenant du matériel que j'utilise. Oui. J'ai oublié de mentionner une petite chose importante, c'est qu'on est chez Lise. On est chez Lise actuellement, dans son atelier. Alors, à l'arrière, vous pouvez voir certains de ses tableaux, son installation. On va vous en montrer quelques-uns aussi pour vous donner une petite idée de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a. Alors, voyez, C'est à c'est. l'aquarelle et j'ajoute aussi, dans celui-ci, il n'y a pas de pastel, mais je travaille aussi avec le pastel. Mais celui-ci est entièrement aquarelle sur panneau de bois, sur gesso. Celui-là qui est en devenir, qui n'est pas complété, c'est dans ma phase bleue.
Alors, c'est mon cheval avec, bon, il y a du pastel, tous les fonds sont faits avec une base aquarelle et pastel, et ça, c'est aquarelle, vraiment, c'est peint à l'aquarelle, peut-être quelques petites retouches de pastel noir. J'aime bien faire un fond vaporisé de l'aquarelle sur mes fonds pour donner une couleur au noir, si on peut dire ça comme ça. Le noir, c'est noir, mais j'aime bien quand le noir n'est pas brûlé, qu'il est teinté. Alors, je peux vous parler du matériel. Je travaille sur panneaux, des panneaux de bois qu'on trouve dans les magasins, là, c'est un petit format, qu'on trouve dans les magasins chez HM, au Maire de Serres, magasin de beaux-arts. Et c'est en bois, c'est vraiment un fini bois. Et si je m'approche un peu, je fais une finition avec du gesso, un après, que je peins avec un pinceau assez rough, on pourrait dire, assez rugueux, un gros pinceau pour créer de la texture. Alors, le geste va venir imprégner, va faire une empreinte. Ça ici, c'est un peu trop doux comme pinceau. Ils sont de l'autre côté, mes pinceaux, mais ce n'est pas grave. On va laisser de côté. Ce sont vraiment des gros pinceaux à peindre les bâtiments. C'est très, très rugueux, très rough comme pinceau. Alors, je fais mes textures. Après, si je veux avoir moins d'aspérité, moins de texture, dépendant du sujet, mais là, je vais passer pinceau plus doux quand ça commence légèrement à figer. Je vais passer en horizontal, en aplat, pour adoucir, aplanir un peu. Alors, je choisis, je vais vous montrer ici le médium que j'utilise, qui est le gesso, mais c'est la marque Demco. Parce que Demco, ce n'est pas une très grande qualité de gesso, et moi, c'est ce qu'il me faut. Parce que si j'utilise la marque la plus chère, de meilleure qualité, je vais avoir la couleur, l'eau, l'aquarelle va rouler, va être comme sur un effet, c'est un effet plastique. Alors, celui-ci est plus dilué, le Demco. Alors, c'est la marque que je privilégie pour avoir une belle absorption de l'aquarelle, même si ça reste quand même en surface, on peut faire des prélevés facilement, mais ça s'étend très bien. Il y a aussi ben, pour les côtés, pourtant puisqu'on est dans les gessos, alors c'est le gesso, peu importe la marque, ça peut être de meilleure qualité que Demco, le gesso noir pour peindre mes côtés, ou parfois je vais le mélanger avec du blanc pour faire un gris presque noir, mais il y a certains tableaux où je trouve que le noir est trop cru, alors je vais y aller avec un charbon de bois plutôt que noir. Alors, c'est ça pour le gesso, pour le panneau. Maintenant, si on parle des couleurs, là, je vous présente, si vous voulez photographier l'écran, vous allez avoir facile de le placer droit. C'est les couleurs que je vais utiliser ce soir dans mon tableau, puis que je privilégie beaucoup. Il y a des couleurs qui sont, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, je peux peut-être même le mettre comme ça, après vous pouvez tourner Mais l'image. je vais aussi le mettre sur le chat, alors vous pourrez l'avoir en note, C'est la liste des parfait, couleurs aussi. oui. Alors, bon, il y aura, c'est Daniel Smith, Holbein, dépendant toujours des couleurs, ça dépend. Je préfère soit le Daniel Smith pour le quinacridone doré, les quinacridones. Par contre, Winsor Newton les fabrique aussi. Alors, c'est une excellente marque. J'ai aussi de l'écoline, qui est je vais l'approcher un petit peu. Alors, écoline, c'est pour la couleur que je l'ai achetée. Certains vont dire que l'écoline, elle est moins durable, elle peut s'effacer, elle est fugitive. Mais moi, je vous dirais qu'à la suite du tableau, quand le tableau est terminé, je le vernis avec un vernis archival, alors qui est anti-UV, non jaunissant, etc. Donc, l'écoline ne bougera pas. Alors, c'est à cause du bleu qui ressemble au bleu d'impression, pardon, d'imprimerie, qui est le bleu de cyan.
Il ne s'appelle pas Bleu de Sion, il s'appelle Bleu, je l'ai noté ici. Attends, c'est plus gros, je vais pouvoir le lire. C'est le bleu céleste. Alors, j'ai plusieurs couleurs aussi liquides. Turquoise, j'aime beaucoup les bleus. Alors, le turquoise, c'est Hydrus. Attention, si vous allez dans au magasin puis que vous voyez dans les tablettes des couleurs liquides, soyez certain que ce soit de l'aquarelle liquide et non de l'acrylique liquide, parce que l'aquarelle, on peut la retirer facilement, alors que l'acrylique, une fois qu'elle est installée, elle ne bouge plus. Alors, c'est Hydrus, c'est par Dr. Martin. Alors, voilà pour mes couleurs liquides qui sont très concentrées. Alors, souvent, j'ai des vaporisateurs, je dilue ma couleur dans des petites bouteilles, ça, pas aussi gros que ça. Et je vais vaporiser parfois au lieu de faire un glacis en superposant avec un pinceau, je peux vaporiser, ça vient donner de la couleur en superposition, en glacis, mais vaporisé. Alors, pour ce qui est des pinceaux maintenant, j'utilise des pinceaux en poils naturels. Excusez-moi, je vais vous montrer ici. Alors, j'ai des pinceaux, c'est Da Vinci en poils naturels, poils artificiels, mais un pinceau plat avec poils longs. C'est pour moi très important, poils longs, quand j'ai des glacis, des lavis à faire, à superposer. Je trouve qu'il y a un meilleur réservoir que les poils plus courts. Les poils plus courts vont servir plutôt à retirer de la couleur. J'ai aussi le pinceau, il faut que je le trouve, excusez-moi, je disparais de l'écran. J'ai aussi le pinceau Raphaël que j'aime bien, qui est un pinceau qui fait une très belle pointe, qui a un excellent réservoir. Par contre, le Restore est moins, c'est un pinceau qui a moins de tonus, si on peut dire, que les pinceaux Da Vinci. Mais c'est question d'habitude. Si on veut même faire des glacis à certaines petits espaces, c'est possible de le faire avec ce pinceau-là parce qu'il effleure vraiment la surface. Il faut dire une chose, c'est que quand je peins sur un panneau de bois qui a été apprêté au gesso, si je reviens sur une couleur qui est très saturée ou très forte, c'est vraiment un effleurement que je dois faire parce que si je repasse et repasse ou que j'appuie sur le pinceau, je vais déplacer ma couleur. Alors, c'est une question d'habitude. C'est pour ça que parfois, j'aime bien vaporiser. Si j'ai, par exemple, dans une bouteille, un jaune, je peux le faire. Ce n'est pas nécessaire d'avoir Hydrus, la couleur Hydrus. Je peux le faire moi-même avec ma couleur, le jaune auréoline ou peu importe quelle couleur. Je vais le diluer, je le mets dans une petite bouteille et je viens vaporiser. C'est important d'avoir des bonnes bouteilles aérosol qui font un beau travail parce que sinon, ça nous fait des petits crachis. Alors, pour ce qui est du matériel, en gros, je ne pense pas oublier. Ah, ben oui, le vernis. Je vais vous parler ici du vernis à la fin. C'est très important parce que c'est de l'aquarelle. Donc, si je ne le vernis pas, on sait ce qui va se passer, hein? Surtout que je peux facilement enlever la couleur. Donc, très important avec de l'eau. Alors, c'est très important donc, de le fixer et le vernir avec un vernis archival. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous le voyez. Soit soit mat ou soit satin ou luisant si vous préférez. Vous faites comme vous voulez, mais l'important, c'est la marque Krylon pour moi que j'aime beaucoup, qui est archival, donc anti-UV, non jaunissant. On dirait que je fais de la publicité. Alors, c'est ça qui est important, je trouve, pour bien, bien finir le tableau et qu'il reste impeccable. On aurait Voilà. quelques questions. Lise, je vais te les lire pour le bénéfice de tout le monde. Alors, c'est Robert. Est-ce que vous travaillez en lumière naturelle? Sinon, utilisez-vous un éclairage particulier pour bien voir les couleurs? Ouais. Quand je suis au chalet, c'est en lumière naturelle et parce que je suis devant une fenêtre, mais j'installe une lumière LED, une lampe LED au-dessus de mon travail, mais assez éloignée pour donner une luminosité de jour. Quand je suis ici dans mon atelier, j'ai des néons.
mes vieux néons qui sont toujours là. C'est un néon chaud puis un néon froid. C'est double néon. Alors, c'est comme ça que je travaille. Mes grands formats, je les travaille à la verticale. Quand je dois mettre la couleur assez liquide, ben là, je le place sur ma table, puis j'ai l'éclairage voulu. Je n'installe pas des réflecteurs jaunes ou rosés ou halogènes. Ça change, ça modifie vraiment la couleur. Alors, pour moi, je suis habituée dans cet éclairage-là. Je connais maintenant mes couleurs dans cet éclairage-là. Si je me retrouve ailleurs, ce serait probablement différent avec un autre éclairage. Au chalet, j'ai dû m'habituer. C'est pour ça que je me suis procuré, parce que j'étais à la lumière naturelle. Alors, c'est pour ça que je me suis procuré une lampe avec une ampoule Dell qui est, je pense qu'il y a différentes, pas intensité, oui, mais chaleur. Oui, c'est des il appelle ça des degrés Kelvin. Je Oui, pense que il la fait. lumière naturelle est autour de 4000-5000 degrés Kelvin. Les lumières chaudes sont plus autour de en bas de 3000. Bon, ben Ouais. alors c'est important que, ben ça, je viens d'apprendre quelque chose, je le noterai, mais l'important, moi, ce que j'ai constaté en mettant mon ampoule comme ça, puis j'ai acheté ça à l'aveugle, là, c'est le cas de le dire, la lumière, je l'ai installée, puis, ah non, trop près, ça m'agaçait. Alors je l'ai éloignée, c'est que en partageant avec la lumière de la fenêtre, c'était parfait. Puis le soir, ben, je peins pas. Donc, C'est pas congé. de problème. C'est congé C'est le pas de problème, c'est soir. ça. Une autre petite question ici, pour le gesso, tu as parlé, tu l'installes, tu l'appliques sur un panneau. Sur une toile, est-ce que ça ferait la même chose Oui, pour avoir le même résultat? ça ferait la même chose, mais encore là, moi, je n'irais pas avec un gesso. C'est fou, là. Mon expérience à moi. Je ne détiens pas la vérité, mais je préfère un gesso qui est de moindre qualité. Les produits sont les mêmes. C'est peut-être, si on compare ça à des pigments, je ne suis pas spécialiste, là, mais si on compare ça à des pigments qu'on va acheter de moindre qualité, c'est les mêmes pigments. C'est juste qu'il y en a moins comparativement aux liants. Alors, j'ai l'impression que Demco, c'est un peu ça. Alors, moi, j'y c'est ça. Voilà. J'irai, oui, avec du C'est gesso sur une bon. toile, oui. Alors, on va poursuivre. Oui? Je ne sais pas si tu es prête à. Est-ce que tout le monde est Est-ce que tout le monde est prêt à vous prêt? pincer? Oui? Moi, c'est plus toi. Oui, moi, ben aussi, il y a une chose, ben, peut-être On va vu d'en changer. haut, on va changer Ouais, de on va prise changer de la caméra. vue. Ouais. Alors, moi, vous m'avez bien vu, je suis là, je vais travailler. Maintenant, on va faire, voilà, une vue sur la table. Alors, je suis là pour, je vais travailler à l'horizontale. Pas moi, mais le tableau. Même si c'est le soir. Faut rire un petit peu. Croquis. Je travaille toujours à partir des croquis. Ça, ben toujours. Oui. Là, je vais travailler à partir d'un tableau que j'ai déjà fait. Oui. Tu voulais dire quelque Ouais, chose? c'est juste entre toi et moi. Oui. Tu regardes l'écran, mais tu peux regarder ton tableau. Ah, Mais c'est d'accord. correct, elle peut regarder Ouais. l'écran aussi, OK. voir. D'accord. OK. Ouais. Non, c'est juste. OK. Alors, mais c'est Elle aime ça voir l'écran. Ouais, Ouais. même Alors, chose. Ouais. ici, voyez-vous, je travaille. J'ai un croquis. J'ai un petit croquis comme ça, là, qui, tiens, je peux vous l'approcher. Il a été fait avec du pastel, du crayon, vite fait. Mais c'était important pour moi, la composition, pour devenir un tableau éventuellement. J'en ai un autre ici qui n'a jamais été fait, mais que j'aimais beaucoup le jeu de crinière. Le cheval, il tournait sa tête tout en folie, il jouait, et moi, j'aimais bien le mouvement dans ça. Alors, éventuellement, ça va être un beau défi au niveau de la coiffure. Maintenant, ici, vous avez Oh là Camille là. Claudel que j'ai aimé faire. Je l'ai fait en grand, 24 par 48. Et ça a été un coup de cœur et en même temps est très émotif parce que j'avais fait une insertion de brisure. Alors, le titre, c'était La brisure avec tout ce qu'elle a vécu. Ensuite, bon, je vais pas. Oui.
Et vous avez d'autres petits croquis comme ça. Ici, il y a eu des carreaux. Vous devinez pourquoi. Je trouvais bien intéressant le croquis rapide là, que j'avais fait. J'ai ajouté les ombres au pastel. Alors, non, au crayon, pardon. Alors, voilà pour ce qui est des croquis avant un tableau. C'est, j'adore dessiner. Alors, pour moi, c'est important de savoir où je m'en vais. C'est important aussi quand j'ai un sujet, quand j'ai un thème, de le voir, de le visualiser en tableau. C'est comme, c'est, tant que je ne le vois pas en tableau, même si le tableau n'est pas fini complètement, mais qu'il y a comme une espèce d'intuition qui se passe, comme une espèce de vision, là. Ou quelque chose qui se structure dans ma tête, ah, là, c'est correct. Là, je suis prête à aller faire le croquer et ensuite le peindre. Alors, j'enlève le sujet de ce soir et là, je vais vous montrer quelques petits tableaux que j'ai faits à l'aquarelle sur panneau de bois. Alors ici, c'est mon chat compagnon de mon cheval à l'écurie, mon Arthur, le roi Arthur. Alors voyez-vous, c'est vraiment sur un panneau de bois qui a été blanchi au gesso. Alors si je l'approche, vous allez voir, moi ce que j'aime faire, c'est vraiment la texture à rendre. Et ça, c'est le gesso. Si tout est dans l'application, je ne sais pas si vous voyez bien, je bouge un peu. Peut-être que le focus ne se fait pas très bien, mais attendez que je... Voilà. Je pense que, en tout cas, vous pouvez apercevoir les différentes textures qu'il y a dans le tableau. Alors, c'est... Vous voyez ici au bas. C'est vraiment très, très précis. C'est précis, puis en même temps, si on s'approche, on voit les taches. Avec un pinceau plat, j'ai retiré pour faire comme des lumières au niveau du poil, la texture du poil, sans trop aller dans les détails. Voilà. Alors, pour le chat, mon Arthur, maintenant, mon vieux cheval qui n'est plus en vie, mais que j'ai reproduit différemment avec les couleurs du spectre. En fait, ça passe du jaune au violet. Ça passe par toutes les couleurs et le fond a été fait d'abord à l'aquarelle et après au pastel bleu marine, un peu de noir aussi. Je pense qu'il y a des reflets si je le place comme ça. Là, vous allez mieux voir les contrastes assez forts. J'aime beaucoup les hauts contrastes et les bleus qui ressortent. Encore, si j'approche, vous allez voir les textures. Je pense que c'est... Ouais. Voilà. Alors là, il n'a pas été verni. C'est pour ça qu'on voit des reflets mats, des reflets plus luisants. Là où la couleur est plus saturée, on voit des luisances. Quand on met le vernis, tout ça, ça s'uniformise. Alors ici, ben, c'est un tableau expérimental. Je peux vous dire ça comme ça. Alors, c'est toutes sortes de textures que j'ai voulu explorer en faisant des glacis bleus, en retirant pour faire des tiges comme ça, en essayant de créer un effet peut-être palmier, je ne sais pas trop. Ici, on voit même des sédiments du bleu de cobalt qui a entré dans les creux de la texture. J'ajouterai peut-être, une fois terminé, la feuille d'or sur le bord de la table et peut-être ailleurs aussi, sur le pot. Peut-être, en tout cas, c'est en exploration, comme vous pouvez voir. Les toujours, textures. Toujours d'exploration. Toujours, ça ne s'arrête jamais. Alors, vous voyez les textures. Et là, je peux vous dire que de l'aquarelle, il y en a. Et le fait de vaporiser aussi vient créer une espèce de flou. Alors, voilà pour ce tableau. Et celui-ci qui paraît un peu fade, peut-être sur votre écran, je ne sais pas, mais si j'approche et que je ne bouge pas. Là, c'était dans ma floraison de lavande. Alors, pour le plaisir, j'ai comme voulu exprimer ça un peu en... pourrait dire semi-abstrait ou
sans rien de sans trop de détails. Alors, il y a du mouvement, l'inclinaison, le vent. Voilà. Alors, c'est tout simple comme tableau. On a quelques petites questions rapides. Oui. La surface, est-ce que tu la sables après avoir appliqué le gesso ou si tu y vas direct? Surtout pas, parce que je veux avoir justement des rugosités qui vont permettre à l'aquarelle de bien, et surtout quand j'ai ajouté du pastel, pour que le pastel accroche. Pastel sinon, sec ou pastel sec, ouais. J'ai oublié tout à l'heure de vous parler de ceci. Alors, je travaille avec les pannes pastel, le noir, j'ai différentes couleurs aussi. Parfois, je veux rehausser avec la couleur, mais je me rends compte que je me rends compte que c'est beaucoup plus joli de rehausser avec des lavis, des glacis d'aquarelle. Le pastel, il est plus opaque, ça ne fait pas le même effet. Mais le pastel sur un fond où j'ai mis de l'aquarelle comme base, où j'ai mis du noir aquarelle et là que je voudrais revenir avec des tons teintés, là, c'est intéressant d'utiliser le pan pastel. Donc, tu ne te limites pas à... Je ne me limite pas à l'aquarelle. À l'aquarelle seulement. Non. Alors, le tableau, j'ai une partie ici qui est l'original. L'original, ça sera un deuxième original, mais ça sera le 2, si on peut dire, interprété différemment. La partie ici à droite, elle était uniquement pastel gris. C'était la zone lumière. À partir d'ici, ça devenait coloré. Et la partie à gauche, complètement sombre. Alors, j'ai travaillé mon dessin un peu plus que ce qu'on fait habituellement parce que ça ne dérangera pas vraiment la couleur d'avoir fait des teintes de gris. Ce que je fais souvent, c'est qu'une fois, surtout quand on a des tons qui sont très foncés à l'aquarelle, c'est drôle parce que ça semble aller à l'encontre de l'aquarelle pure, où on veut avoir de la limpidité, où on veut avoir... Mais quand on veut une opacité, on veut une opacité aussi. Et moi, je me le permets. Alors, je ne dis pas que c'est permis, moi, je me le permets. Alors, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Diane, sur pas de questions pour le moment. Yep. Alors, écoute, on va y aller. On va y aller. Parfait. On va te laisser commencer. Bon, alors, je vais rapprocher ma palette ici pour que tout le monde voit. J'avais sorti mes couleurs. On va les ranger maintenant. J'avais noté le rose permanent, le bleu de pan, le jaune auréoline, le quinacridone burnt orange, quinacridone burnt scarlet, le bleu d'envers, quinacridone écarlate, rose permanent. Alors, mes couleurs sont là. Bleu marine. Et j'aurai probablement, ça me surprendrait que je ne le fasse pas, j'utiliserai les collines turquoise. Alors, voilà. Ça, j'enlève ici, Je vais retirer un petit peu ma palette pour laisser. Je pourrais même placer ça comme ça. Si tout le monde voit, ça va être parfait. Alors, je reprends mes pinceaux. Il faut que j'ai mes habitudes. On a tous nos habitudes. Alors, voilà. OK. Entre-temps, tu peux peut-être répondre à cette question-là. Oui. Une ou deux couches de gesso? Oui, bonne question. Oui, deux couches. Deux couches. Oui, idéalement, oui.
Parce que si on lave, si on lave la couleur, il faut aussi que... Puis souvent, moi, je vais utiliser un exacto. Alors, il faut se retrouver sur le bois. Alors, okay. Ça, c'est assez important. Ouais. Bon, j'enlève quand même la couleur. Je voulais quand même donner que vous voyez un peu l'aspect parce que quand on a seulement les traits, ça nous donne moins l'idée du sujet. Alors, je vais enlever la couleur. Je vais prendre un pinceau sec pour ne pas répandre trop le crayon. Voilà. Moi, j'ai une bonne brosse de dessinateur. Oui, je sais. D'architecte, oui, ça. Je sais. Je l'ai, mais elle est loin dans le... Je sais qu'elle l'a. Oui, c'est ça. Bon, alors, on commence. C'est toujours de commencer qui est le pire. Hein? C'est le syndrome de la page blanche, paraît-il. Alors, on va commencer avec ce qui... qui est peut-être un espace plus petit. Alors, allons-y avec... il y a de la couleur dans mon pinceau. On va l'enlever. Alors, je vais humecter pour installer la couleur assez concentrée. Je vais travailler, je vais peindre avec le bleu dans vert et une petite touche de quinacridone écarlate. Alors, mes couleurs étaient fraîches, elles ont eu le temps un peu de sécher, mais je veux qu'il y ait une dominante bleue. Alors, pour commencer, on verra après. Alors, juste de poser la couleur, la couleur s'étale avec l'eau en dessous sur la surface. Comme vous pouvez voir, là, même si je suis sur une surface de bois avec gesso, je peux très bien faire dégrader, faire fondre ma couleur. En même temps, ben, j'humecte, même si c'est en plus pâle, ça me permet de localiser les ombres d'abord avec une teinte assez pâle. On voit que la couleur, elle se place vraiment bien là, sur le panneau. Je vais retourner un peu avec du bleu et puis je pourrais humecter. Il y a des mèches de cheveux qui me nuisent un peu au niveau de l'orientation dans mon tableau. Dans la figure du cheval. Alors, là, pour l'instant, on est toujours avec... Alors, finalement, sur le panneau, ça se travaille... Enfin, comme sur papier. Comme sur papier. Oui. Parce que le panneau, là, le gesso, est-ce qu'il est rugueux? Oui, mais il absorbe une certaine quantité d'eau. Oui, c'est pour ça le fait qu'il soit moins plastique, que moins acrylique que les qualités de gesso supérieur. Ça me permet d'avoir... l'aquarelle ne va pas perler sur la surface. Ah,
réponse. Finalement, les coups de crayon, les traits de crayon que tu avais mis au départ, là, ils disparaissent. On ne les voit pas parce que ça va être même encore plus foncé plus tard. Là. C'est vraiment... Alors, on peut prendre un pinceau plat. On va aller un petit peu plus loin maintenant au niveau de l'humidité pour humecter. On va même modifier un peu ici. Là, ici, j'ai de la lumière, mais on ne touchera pas au contour. Ici, quand même. Et le faire réapparaître ici pour ne pas le perdre, quitte à ce que ce soit plus foncé tout à l'heure. Je vois quand même ici mon dessin de crinière. Alors, pour l'instant, je ne toucherai pas pour pas que ça fonde, ça se répande. Alors, on voyait que le fait de passer mon pinceau, en essuyant mon pinceau, j'enlève la couleur et je peux revenir. Ça relève très bien. Ça, oui, c'est merveilleux. Là. Même quand c'est sec. Là, ça... À comparer à un papier. Ah oui. Oui. Puis ça se fond très bien. On va réhumecter et faire des nuances de couleurs. Wow! Alors, juste le fait que ce soit humide, les couleurs se fondent. On est chanceux d'être présents, nous, hein? Oui, on est deux personnes très chanceuses. On est collés. Ben moi, je suis chanceuse de vous avoir parce que ça ferait drôle. J'ai comme plus d'adrénaline pour mieux performer, peut-être. Oui, parce que tu as plus un feedback avec nous autres. Oui, en c'est entour. Ça, oui. Alors, là où il y a du jaune, il y a un vert qui apparaîtra peut-être. Tout dépend de la quantité. Une chose que tu pourrais peut-être faire, montrer pendant quelques secondes ton sujet à l'écran. Quand ça sera le temps pour toi de prendre oui. 15 secondes. Oui. Oui, parce que... Parce que moi, je vois la photo. Toi, tu vois le sujet, tableau qui a été puis, fait. Ça, c'est le... Ça, c'est le tableau que j'ai fait. OK. Oui. Et à partir de ce tableau, j'interprète différemment ça d'une couleur. Photo. Oui. Regarde, si tu permets. On va juste oui, le mettre oui. Oui. À l'écran. Je ne veux pas t'empêcher de travailler. Non. Alors,
Je ne sais pas si vous allez le voir. Attends, non. Je vais le prendre. C'est correct. Est-ce que tout le monde le voit? Non, je pense que ça fait peut-être des... Ça fait des reflets? Je ne sais pas. On va le montrer d'une autre façon. Ça va vous montrer. Oh, c'est ça, ça fait des reflets. Oui, hein, ça fait des... Ça, on ne peut pas voir non. La couleur. C'est non. Sur la tablette, c'est pour ça. Non, ça donne... Bon. Parce mais vraiment... on, moi, je la vois bien maintenant sur YouTube. On vient de voir un peu... c'est que Lise est toute petite à côté de ce gros cheval-là. Oui, il était grand, le tableau. Il était très grand. Bon. Ça, c'est un tableau qui a été fait, qui a été vendu par Cavalia. Bon, alors, ici, on va revenir plus foncé, un petit peu de... J'aime beaucoup ton bleu, là. Oui, ben moi, je... Bleu d'Anvers. Le bleu d'Anvers, oui, qui est une teinte, une couleur qui, chimiquement, court, voyage beaucoup. Oui. Là, c'est sur fond un peu sec, là, mais quand on l'applique sur du foncé, du mouillé, alors là, ça vraiment, ça bouge. Pire, les cheveux vont se faire à la fin. Tu préserves les blancs des cheveux, c'est ça? Oui, là, je préservais pour ne pas les perdre, mais quand même, ce n'est pas nécessaire que je les ai tous. Là. Après, ils vont s'improviser. Là. Juste à partir de ceux que je vois dans la lumière, là, je pourrais... Ouais. Parce que souvent, je ne suis pas vraiment mes lignes quand je les fais. Alors, dans le bleu marine, qui est un petit peu plus turquoise, on va commencer à... Son nez est plus... noir. Il est noir. Alors, on va commencer avec du bleu et superposer après. Ça, c'est ma petite bouteille dangereuse. Là. C'est le vaporisateur qui... On n'a pas tous les mêmes vaporisateurs, hein? Non. Hein? Ça, j'en ai trouvé un aussi. La part de coiffure, là. Ah ouais? Oh, c'est vrai que c'est fin, ça. Hein? C'est fin. C'est vraiment une bruine. Mais oui, un brumeur. Un brumisateur, oui. Bon, maintenant, on va augmenter le contraste. On va commencer avec le rouge. Tiens, allons-y avec un rouge plus chaud. Alors, mon quinacridone écarlate. Et là, je vais, si vous voyez, je vais tordre mon pinceau comme ça et faire bouger un peu les couleurs. Un peu, mais surtout redescendre. Sans trop mélanger. Après, bon, un peu d'eau dans le pinceau. Je reviens avec du rouge, du quinacridone écarlate. Pour juste avec la pointe du pinceau en patinant un peu. Venir comme juste couler la couleur, la déposer. Alors, je reviens dans mon bleu d'Anvers. Si je ne veux pas que ça court trop, on peut prendre plutôt le bleu turquoise. Et à certains endroits, okay. Comme ça, là où j'ai on besoin. Mais non, ça, on voit. Ici. On ne voit pas le bout, tu sais, on ne voit pas au complet. Toi, tu le vois-tu au complet? Ouais.
C'est juste. Okay. Comme ça? Moi, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est juste des petits ajustements. Les pigments que tu utilises, enfin, les gens ne le voient peut-être pas à l'écran, là, mais moi, je le vois, je suis juste à côté. Oui. C'est vraiment les couleurs super vibrantes. C'est-tu la sorte de pigment ou... Ben, je pense que oui. C'est sûr que c'est des pigments qui ne sont pas trop rabattus, qui n'ont pas trop de noir ou des couleurs assez vives. Le bleu turquoise il est très fort. Là. C'est... Mais le fait aussi que la concentration est assez importante aussi. Ouais. Hein, c'est... Est-ce que c'est le fait que c'est sur un panneau que ça n'imbibe pas dans le papier? Oui. Alors, on ne perd pas la luminosité, l'intensité de couleur. Oui. Alors, la couleur, elle reste vraiment... C'est un panneau. Oui. Quand ça sèche, ça peut peut-être être ternir un peu. Pas tant que ça. On va le voir. Non, oui, un petit peu, mais vraiment pas comme quand c'est sur du papier. Alors là, il y a vraiment de l'eau à cause. Voyez-vous le coup de pinceau là, du gesso? Attends, je vais m'approcher. Vous allez vraiment voir la direction de la couleur. Elle rentre dans les creux des poils du pinceau de gesso. Voyez-vous là? À cet endroit-là ici. Là. Oui, mais sur le bout du nez, là, regarde, il y a des obliques, là, des lignes obliques qui passent. Alors, c'est ça l'avant. Moi, c'est ce que j'aime d'arriver à créer ces textures qui ont été pensées avec le geste du pinceau au gesso. Et après, vous allez voir dans une prochaine étape, on peut aller rechercher ces textures-là avec un pinceau plat et asséché quand tout ça sera sec. On n'est pas rendu là, c'est trop mouillé. Alors maintenant, je continue la narine, le naseau du cheval. Alors, je vais continuer avec la couleur, le bleu turquoise, pour pas que ça s'étale trop. Sec et humide, il y a une partie un peu plus sèche ici. Alors, je vais peindre en contour. Je peux me rendre même jusque-là parce que ce sera il va y avoir du partie plus pâle que je vais garder dans ces tons-là. Maintenant, on va aller chercher un peu de... Comment on continue avec les mêmes? La couleur est pâteuse. Sur de l'eau. Donc, ça bouge. Je vais pouvoir redessiner ça avec un pinceau plat, plus sec. Le quinacridone Burnt Scarlet. Alors, pour aller me chercher vraiment un noir. Alors, avec mon bleu. Justement, tu fais ça, il y a quelqu'un qui pose la question. Est-ce que tu mets beaucoup... ton aquarelle très épaisse, moins d'eau dans le pinceau? Oui, il y a quand même de l'eau sur le, mais je vais vraiment directement dans ma couleur comme ça. Oh, le bleu ici, je n'ai pas plus d'eau que ça dans ma palette. Alors, c'est vraiment... Il y a plusieurs appareils électroniques ici autour de la table. On se demande qui sonne. Ouais, j'avais pourtant enlevé le son. Mais sais-tu, moi, je ne l'ai même pas fait. J'avais enlevé le son. Je ne comprends pas comment ça se fait. Lui, il doit avoir des privilèges sur mon téléphone que d'autres n'ont pas. C'est un Francis. Ah, ben, c'est parce qu'il voulait te voir. Bon, OK.
Alors, on va renforcer les contrastes. Si j'écrase mon pinceau, ça enlève la couleur. Alors, c'est vraiment moi, j'appelle ça patiner. C'est comme si, d'ailleurs, j'ai eu des belles expériences en patin, c'est-tu? Ouais. Oui, on ne parlera pas trop de patin. Triple fracture, tibia, péroné, malléole de la jambe gauche. Bon, voilà. Alors, le dégradé, je suis en train de le faire. C'est-à-dire un dégradé, on peut dire plutôt d'accentuer en fondu les zones plus sombres. OK. Avec des nuances de couleur. Là, peut-être ça semble noir, mais si je l'approche, on voit les violets peut-être. Je ne sais pas si on les voit bien. Peut-être ça donne un effet plus sombre. On va venir à l'œil. La couleur est quand même, il y a quand même assez d'eau dans mon pinceau. Là, ta surface dans ce coin-là, est-ce qu'elle est encore elle sèche. Elle est sèche. Elle peut peut-être vous toucher légèrement, mais je veux dire, c'est pas humide pour que ça s'étende. OK, alors ici. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas peint, lui. Il est très sec. C'est des petites choses cocasses, des petits tours qui me jouent. On va changer de pinceau. On va mettre en pénitence. Alors là, avec mon pinceau, je vais brosser un peu de lumière ici. Oh! Il y avait du jaune qui ne devait pas être là. On va le laisser. Ben oui. On va le laisser. Les couleurs paraissent un peu plus en vrai que sur ouais. le. Je peux l'approcher un peu. Le jaune, c'est un accident, mais on va le laisser là. J'aime ça. C'est un accident programmé? Je ne sais pas, non. Il y avait du jaune sur mon tableau. Sur mon pinceau, il y avait du jaune. C'est ça, les artistes. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où il sort, ce jaune-là. Bon, et là, il est rendu là. Alors, maintenant, on va faire un petit lifting du visage. C'est toujours très, très, très humide, là. Oui, c'est encore humide. Alors, ça, même si c'était sec, ce serait possible aussi.
vraiment pas une technique traditionnelle. Je ne peins pas comme je peignais il y a 30 ans. On évolue. Maintenant, c'est seulement depuis 4 ans peut-être? Depuis combien de temps, en fait, tu peins sur les panneaux comme ça? Ça fait, avec Cavalia, c'est il y a peut-être 4 ans, Cavalia. Pendant 3 ans, j'ai fait beaucoup le noir et blanc, pastel. J'ai commencé vers la fin, dans la dernière année, j'ai commencé à ajouter de l'aquarelle, de la couleur dans mes tableaux Cavalia. Alors, aquarelle et pastel. Et puis maintenant, c'est aquarelle. Aquarelle, mais les fonds, il y a toujours du pastel. J'adore faire mes fonds. Ça fait un effet velours. Mais plus de papier. Non, fini le papier. J'ai plus du tout le... Non, j'aime l'effet... Bon, du côté lumière, tiens. On va modifier un peu les tons. Même s'il y a du crayon en dessous, moi, j'aime ça. Ça fait comme un mélange pastel avec l'aquarelle superposée. Est-ce que ça rend l'aquarelle plus grise? Ça, oui, c'est ça. Mais le but, c'est ça. Je le laisse parce que je voulais me neutrer, que ce soit plus neutre du côté de la lumière. Je pourrais le faire en noir et blanc, tout simplement. Mais là, je ne sais pas, le geste m'a amené à mettre par-dessus le crayon. Larme. Ça me tâle. Tu as besoin de mouiller ton... Un peu, parce que je veux que ça se mêle un peu. Vous voyez, je vais faire descendre un peu le bleu. Est-ce que les gens entendent bien? Si jamais vous n'entendez pas bien, envoyez-nous un petit mot. Là, c'est le côté lumière. C'est le côté lumière. C'est la partie, le devant du cheval. C'est plus le visage là, du cheval. Ça va se fondre au blanc. Et je ne veux pas détailler cette partie-là plus que ça. Par contre, vers le bas ici, ça sera plus foncé. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Je cache et je vais l'apparaisser. Tu mets un peu plus de couleur chaude dans la lumière? Oui, c'est ça. Je voulais avoir. Puis je reviendrai peut-être avec du jaune aussi. On va voir. Ici, les traits de pinceau, le pinceau a été, le gesso a été appliqué ici à l'horizontale et on voit la couleur qui s'étale dans les rainures et je le laisse comme ça. Je pourrais l'enlever en essuyant, mais je le laisse comme ça. Peut-être une note personnelle, Lise. Oui. Il y a une Jeanne Desmarais
Oui, Janine. Bonjour, Janine. Je t'ai dit bonsoir de la Floride. Oh oui. C'est vrai, t'en fais. Je m'en vais là bientôt, Janine, mais pas sur ton côté. Mais bonsoir, ça me fait plaisir que tu sois là. Miracle du virtuel. Ben oui. Ouais. Ben oui. Alors, allô, là, Janine! Là, je commence à dans ces zones d'ombre un peu. Là, j'ai juste pour le plaisir été chercher des cheveux. La crinière. J'appelle ça souvent ses cheveux. Ouais, c'est presque ça. Hein. Ben, c'est comme mon bébé. Ben oui. Hein? Ça, c'est ton cheval? Oui, c'est mon cheval. On y verra. On y reviendra. Bon. Les cils. Ah, j'entends des voix. Oui, j'entends des voix. Oui, non. Non, très faible. Ah oui. On chuchote. Oui. Mon petit bleu. Alors. Un petit bleu et colline. Bleu céleste. On va vouloir aller s'en acheter un tout de suite. Si ça me... Waouh! Oui. Je ne l'avais pas vu. C'est fort, hein? Ressortir. Alors, j'en mets autour pour que ça reste, soit apparent, sinon il est presque de la même valeur. Bon, maintenant, on va reprendre ici. Ça, je commence avec les collines. Alors, je ne peux pas vous dire si les collines, elles vont se fixer plus que l'aquarelle, étant donné que c'est de l'encre. Donc, là, c'est humide, je le fais, mais d'après moi, elle est plus tachante. Mais une fois qu'elle est sèche, tu peux plus... Ben oui, puis déjà, tu vois, elle est humide, puis j'ai comme un peu de difficulté à la retirer. Alors, je vais prendre mon pinceau plus sévère et on va venir. Tiens. Un pinceau. C'est un pinceau assez rigide, celui-là. C'est un poil synthétique, oui, mais il est très, très rigide, oui. Alors que l'autre que tu utilisais tantôt était plus souple. Il est plus souple, oui. Ouais, celui-là fait un peu mieux le travail. Donc, tantôt, quand tu parlais des coups de gesso, de pinceau, là, tu nous montrais ce que ça faisait. Tu planifies ton coup un peu en fonction oui, de ton sujet. Oui, hein? C'est ça. Là, la beau, il y a ouais. Le gros pinceau et ouais. Le plus petit. On va pouvoir le montrer. Là. C'est une petite zone de lumière dans voilà. L'œil. Ça vaut la peine de vous montrer le pinceau. J'ai envoyé André chercher
Les deux pinceaux. Ah oh non, ça, c'est une la brosse. On... C'est plutôt le pinceau, il est brun. Les poils sont bruns. Il est vert. C'est pas grave. C'est le seul qu'il y a, là. C'est parfait. OK. Ça a été, il y a quelqu'un qui a déplacé mes pinceaux. Mais alors ça, voilà, c'est ça. Je mets le gesso avec ça, puis je badigeonne de différentes façons. Et une fois que ça commence à figer légèrement, là, je prends un pinceau plus doux. Un pinceau comme ça. Puis, je peux venir passer plus large. Ça pourrait être ça, même à la nuit. Ça peut être ça. Et là, je viens comme aplanir un peu si je veux avoir moins d'aspérité, de texture. Attention, le gros pinceau, je pense qu'il dégoûte. Ah, c'est ça, hein, qui ouais. a fait des... Ben oui, quand je l'ai... Oui, il est encore... Il y en a, c'est de la texture. Ouais, c'est que... Oh, ben oui, il est plein d'eau. Ouais. Ben oui, attends. Non, ben c'est correct, moi, le prendre. Allez le remettre à sa place. Voilà, remettre à sa place. Je c'est juste pour... place verticalement, ouais. mais ça prend du temps à sécher à la grosseur qu'il a. Alors, maintenant, on va aller encore chercher plutôt la lumière qu'il y aura ici. On va adoucir la ligne. Juste comme en passant mon pinceau. Okay. Et avec le bleu poli ici. Alors, c'est bleu. Oui, hein. Question pour de moi. le problème qu'on a quand on travaille sur le papier, puis que c'est presque sec, mais pas tout à fait, puis qu'on échappe une goutte d'eau, ça fait une auréole. Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai juste le mot auréoline dans la tête. Oui, auréoline. Ouais, mais oui, effectivement, si on échappe une goutte, il faut presque, avec la pointe d'un pinceau, essorer, on va aller justement aspirer la goutte sans on la laisse sécher. Sur le panneau. Oui, si par exemple, il y avait une goutte ici, ouais. là, au lieu d'aller l'éponger, je vais prendre un pinceau propre, mouillé, mais essoré vraiment, là, très, très essoré avec un essuie-tout. Et là, je vais poser mon pinceau sur la goutte et puis je vais attendre. La goutte, elle va diminuer. Et puis, ce qui restera d'humide, le cercle, ça va sécher puis ça va être correct. Oh, okay. Mais si je vais essuyer, ou ça va enlever la couleur. Donc, la particularité sur le panneau, c'est qu'il ne faut pas trop frotter. Il ne faut pas trop frotter. Alors, si j'ai des lavis comme j'ai fait, c'est vraiment en effleurant. Puis, ce n'est pas de repasser deux ou trois fois. Parce que si je repasse, par exemple, je n'ai plus mon image. Si j'ai besoin de lumière, exemple, je prends mon pinceau, la tranche comme ça, dans ce sens-là, et non comme ça, pour aller retirer de la couleur. Alors, si je ne veux pas retirer de la couleur, évidemment que je vais plutôt utiliser mon pinceau en douceur comme ça. Mais là, le fait de passer mon pinceau d'eau, ça vient enlever la couleur que j'ai frottée. Puis ça ne fait pas de dégâts, ça ne fait pas d'effet désagréable, là, comme ça, des fois, parfois sur le papier. Alors, si je passe encore mon pinceau d'eau, ça vient comme... Adoucir les contours, oui, adoucir les contours, puis enlever encore la couleur. Alors, c'est... Bon, OK, alors là, il faut... Si tu veux ton image sur ta tablette, je pensais que... OK. J'ai voulu le faire pour toi. Ben, c'est très bien. C'est mon empreinte, elle fonctionne. C'est rare, là. Ah, c'est pour ça. C'est ça, ouais. Moi, il me demandait un code. Ouais, ben, c'est ça, c'est parce que c'était pas pour ton empreinte. C'est ça.
Tantôt, tu as dit, je vais prendre le bleu turquoise. Cette fois-ci, ça, oui, ça s'étale moins. Là, tu vois, je reviens avec le bleu d'envers. Parce que sur la surface mouillée, le bleu d'envers, il c'est vrai que sur le bois, c'est moins pire. Sur le papier, oui. Ça, mais c'est pratiquement deux couleurs très semblables. Oui, mais je trouve qu'il est plus vif, le turquoise. Il y a plus de rouge dans le bleu d'envers que le turquoise. C'est bleu royal ou turquoise? Ça, turquoise. C'est bleu turquoise. Ah, OK. Il y a une personne qui semble impatiente que tu utilises tes pastels. Oui. Est-ce que ça sera le cas? Ah, bien, mon Dieu, on va faire un petit... on va sauter du côté du fond. Tu en mets souvent du pastel sur tes tableaux? Oui. C'est beaucoup pour les fonds que j'aime. Tu ne peux pas faire un fond comme ça avec de l'aquarelle? Ou... On pourrait, mais d'ailleurs, le pot de fleurs, tantôt, là, c'était que de l'aquarelle. Alors, le fond est très, très saturé en pigments, là. Mais avec après le vaporisateur, ça vient comme diffuser, puis c'est intéressant de faire des effets. J'ai commencé à donner un peu l'aspect. Compléter un petit peu. Plus. Je garde des ondes de lumière qui sont plus. On va aller un petit peu plus loin. Alors, avec. Alors ça, c'était dans mon bleu d'envers, le quinacridone Burn Scarlet. Je garde un espace qui sera coloré tantôt. C'est important que mes contrastes soient forts. Même si c'est pas sec, ça fera pas des cernes comme sur du papier. Alors, le sujet s'appelle comment? J'ai pas trouvé de nom. Non, mais le sujet de... Le cheval. Le cheval. Ah, le sujet. Tu veux dire le modèle, le top oui. modèle. Oui, le top ouais, modèle. Il s'appelle Congo. Combo. Congo. Congo. Comme le pays. OK. Ouais, c'est un petit arabe qui a du caractère. Alors ici, j'ai fait une lumière dans l'œil, une luminosité un peu, un petit reflet. OK, on va faire l'autre. Alors, directement sur le sec. Ça dépend hein, de comment je... Je n'ai pas de règles précises, humecté, tantôt j'ai humecté, là non. J'y vais sur le sec. Alors, cette surface te permet d'utiliser le pigment là, très concentré, oui. Presque la méthode
Ben, j'ose pas le dire, là, acrylique, là, mais. Ouais, mais c'est. C'est quand même d'aquarelle. Ouais, c'est d'aquarelle. Ben, ouais. Puis ça fait le travail pareil. Mais tu peux aller chercher la transparence puis l'opacité à ta guise. Exact. Mais si tu vois ici, tu sais, il y a quand même une transparence. Oui. Ça bouge l'aquarelle. Oui, oui, ce que l'acrylique n'a pas. Mais l'acrylique, un coup, c'est mis, tu ne peux pas l'enlever. Non, non, c'est ça, exactement. On va forcer encore un peu. Alors, tout en, pas balayer en frottant fort, mais juste, et puis on pourra mettre de l'eau. Finalement, les couleurs qui ont été mises se perdent un peu. On va briser un peu la rigidité ici. OK, ça me déplaît pas ici, là, cette partie-là. Moi, je dirais plutôt que ça me plaît beaucoup. Toi, je pensais que toi, ça te déplaît. Alors, regarde, avec beaucoup d'eau. Ouais. Beaucoup d'eau, beaucoup de couleurs. Ici, je veux vraiment qu'il y ait une zone plus opaque. Bon, OK, pour l'instant, ça va rester comme ça. Vu que j'ai humecté avec le pinceau, pas avec le pinceau, avec la bouteille, ça fait flou. Ça, tu ne mets pas tout le temps. Non, c'est parce que, étant donné que j'avais plaqué un peu avec le pinceau, ben là, je viens fusionner tout ça. Si je veux créer des effets de poils, je peux venir avec mon pinceau à certains endroits comme ça. Mais des fois, c'est mieux d'attendre qu'il y ait un peu moins d'eau parce que souvent, ça se referme. Ça semble se refermer moins vite, même s'il y a beaucoup d'eau que mais, sur le papier. Hein? Moins vite, mais à un moment donné, là, dans ouais. peut-être une minute, ça paraîtra peut-être plus. Donc, on peut attendre un peu. OK. Alors maintenant, ben, c'est passé au... OK, le pastel. Il y a quelqu'un qui aimerait que j'utilise le pastel. Ben, tu l'utilises au moment où c'est le temps. Là. Oui. On va changer un peu d'endroit. Alors, comme j'expliquais, ici, j'ai mis de la couleur. C'est de la couleur qui est vraiment très pâle. Alors, on va prendre le pastel. J'ai ici un pastel noir. Tiens, on va y aller avec le... Oups! Oh, mon Dieu! On va y aller avec le noir ou le bleu marine. Tiens. On va prendre le marine. Et je vais... C'est un pinceau, ça? Ça, c'est... Je n'ai jamais utilisé ça. Ça, c'est tout simplement pour appliquer le pastel. C'est des spatules avec différentes pointes. Il y a de différentes formes. Alors, là, je vais venir en gardant la couleur en dessous sans vraiment tout cacher. Ça fait doux, hein? Ça fait doux, puis c'est vraiment un effet de velours, je trouve, de feutré. Alors, je trouve que ça vient comme... Ça vient bien, je trouve, s'harmoniser avec l'aquarelle. Ça fait deux textures différentes.
Là, j'y vais. J'ai pas de couleur de fond. Je pourrais mettre, tiens, je vais mettre là pour que vous puissiez voir. Je vais mettre du bleu ici. Alors, même par-dessus le pastel, là, on va mettre du bleu. OK. Allons-y joyeusement. Parce que même les pigments pastels avec de l'eau, ça se fait aussi. Dans le sens que si j'en ai là ici du pastel que je viens de mettre, et puis je passe le bleu par-dessus, puis je mélange les pigments pastel et aquarelle. Bon, là, c'est très... Il y a différentes sortes de pastels, il y a des crayons. Ça, c'est une pâte. Oui, c'est des pastels qui sont pressés dans un. Il y a c'est un peu comme une poudreuse, là. Oui. Comme une oui. poudre. Puis c'est. C'est très. Comment je dirais, donc, elle est molle, là. Tu sais, c'est pas un pastel qui est trop dur. Là, vous allez me dire, ben oui, tu reviens sur l'humide. Oui. Je reviens sur de l'humide. Alors là, le pastel, il accroche. Là. Il va accrocher vraiment, vraiment parce que c'est humide. Plus que si je le mets sur du sec. Il va vraiment... Alors, la couleur du bleu que j'installe va apparaître avec la transparence du bleu en dessous. Et comme je le veux foncé en dessous pour donner un effet d'éloignement, là je viens peindre sur l'humide. Ça. Ah, c'est correct. On voit bien. Le pastel s'agrippe là, vraiment sur de l'humide. Ça, c'est des découvertes que j'ai faites par erreur. Beau, hein? C'est vraiment des erreurs. À un moment donné, ben, je me suis rendu compte que merveilleux quand c'est humide. Quand ça commence à être sec, on le voit ici, là, ça colle moins. Bon, maintenant, si je prends le noir ici. Oups, plus d'image. En gros, il est parti. Ça prend le pouce. Ça prend son pouce. Regardez, il y a quand même un contraste. Il y a quelqu'un qui mentionne, on dirait un truc à maquillage. Oui, c'est vrai. Hein? Mais moi, c'est vraiment comme un foam. Hein? C'est plus dense qu'il y a des petits foams pour maquiller, pour les yeux, les ombres à paupières. Mais ça, c'est vraiment plus dense. Là, on va... Quand même, je suis toujours avec le noir qui a un peu de bleu dedans. Je vais commencer à dessiner un peu comme s'il y avait des crinières qui tombent, qui descendent, mais on reviendra peut-être avec de la couleur par-dessus à l'aquarelle. Ici, j'avais fait comme une petite natte. Je ne sais pas si tout le monde voit à cette hauteur. Non, c'est ça. C'est très bien comme ça. Je me suis... En tout cas, j'étais en dehors de l'écran. Juste le suggérer comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon. OK. S'arrêter là avec le pastel. Pour ce qui est du fond ici, c'est le même principe que ce que j'ai fait là. Ici, ça va être aussi foncé. Et il y aura de la crinière parce que
il y aura de la crinière plus claire qui va sortir, qui va ressortir. Parce que si je veux, je peux facilement sur le pastel venir ouvrir. Ah oui. Ça se lave assez bien. Et puis, je peux aussi, une fois humide, ça va bien aller avec un exacto. Juste comme gratter. Sur l'humide, ça se travaille vraiment bien. Alors, ça fait grincer des dents. Sur l'humide seulement. Il faut que ça soit humide. Là, ben, je peux le faire sur le sec, mais tu vois que c'est plus. Ça résiste plus. Alors, le fait d'humecter, c'est beaucoup plus facile d'aller enlever la couleur. Puis ça enlève un tout petit peu du gesso aussi. C'est pour ça qu'il ne faut quand même pas mettre juste une petite couche mince. Là. Sinon, on se retrouve. Bon, alors, on peut relier. Tiens, tu vois que avec la surface sèche, ça se fait moins bien. Alors, on va humecter et le refaire. Hop, j'ai pas assez humecté. Mais ça, c'est pas grave, là, je viendrai à ça. OK. Je sais pas si les gens voient bien ce que j'ai fait avec l'exacto en humectant la surface. Je peux ouvrir avec un pinceau plat, puis après repasser l'exacto pour aller chercher des petites mèches plus fines. Bon. Le pastel, c'est. Pan Pastel, c'est ça? Oui, la marque. C'est la marque. Oui, chez H&M, mais plus chez Omer de Serres. Ils en tiennent moins maintenant, je trouve, chez H&M. C'est plus difficile à trouver. Moi, où je vais, les deux sont presque côte à côte. Alors, quand il ne l'a pas chez un, je vais chez l'autre. OK. Pour n'importe quel matériau produit. Alors, là, je ne suivrai pas mes lignes. Et aller avec la couleur de fond. C'est la section dans la lumière là, de ton... La lumière de la crinière, c'est ouais. Ça, oui. Les couleurs, les... Commence à prendre forme. Oui. Oui. Je pense que ça va être un cheval. Hein? On le reconnaît. On le reconnaît. Oui. Tu reconnais Congo? Là? Moi, je reconnais oui. Congo. Je l'ai vu. Là, ah oui, tu l'as vu déjà? Mais pas en vrai en photo. Ah, OK. Alors, sur le pastel, peut-être un peu. Ah, tu peux même aller me rajouter de la couleur sur le pastel. Sur le pastel. Non.
quand tu faut que ton vaporisateur soit vraiment un brumisateur. Oui, un brumisateur. Brumisateur, quelque chose comme ça. Hein? Parce que sinon, ça ferait des gouttelettes trop grosses. C'est ça, si on inonde, mais tu vois qu'il ça glisse quand même, hein? il va bien mouiller quand même la surface. Ouais. Et mon céleste, il est très fort, hein? Très très fort. Tu n'as pas pris l'aquarelle liquide encore. Je ne l'ai pas prise, non. Tu n'as peut-être pas le goût de le prendre. Parce que c'est, ça ne me vient pas l'idée, là, pour l'instant. C'est comme, on dirait, les collines. Mais par contre, je ne devrais peut-être pas trop mettre les collines si elle est difficile à relever, à enlever. Moi, ce que j'aime avec ça, c'est les contrastes forts que tu peux aller chercher là, entre les différentes couleurs. Hein? Oui, c'est ça qui est... Puis de laisser des blancs, hein, c'est... Ouais. Ça va être très coloré. Oui. Est-ce qu'il a une crinière blonde? Maintenant blanche. Mais avant, c'était gris. Quand il était plus jeune, il était brun. Et puis, il est devenu blanc. Okay. Mais on l'appelle... C'est pas un vrai cheval blanc. C'est un vrai cheval, mais il n'est pas un vrai blanc. Il est un cheval gris. C'est un, mais il est vraiment blanc. Alors maintenant, ben pour me repérer un peu ici, avant de, on va quand même aller se chercher des mèches. Regardez des... Est-ce que tu as besoin de faire sécher ton œuvre des fois? Ou... Non, non, parce que je travaille ailleurs. C'est, C'est... Des bons commentaires à certains moments, c'est superbe. Oui, merci, ça m'encourage. Oui. T'as combien de personnes qui viennent? Ben, nous, sur, on est sur Zoom et sur YouTube, c'est ça? Ici, on est autour de 50 personnes sur Zoom. Puis oui. Je pense à peu près la même chose sur YouTube. 37. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, il y en a qui reviennent. Oui. Ben.
Près de 100 personnes. La vidéo complète, la démo sera disponible pendant 48 heures, c'est ça, sur notre chaîne YouTube, là, pour ceux qui seront intéressés. Ben, merci d'être là, tout le monde. ça m'encourage. Parce que c'est vraiment particulier hein, de peindre devant des gens qu'on ne voit pas. On peut en voir quelques-uns, ouais. Oui, si je regarde, là, ouais, je crois que... Oui, c'est ça. Mais quand même, c'est sûr que... Là, on est deux autour de toi. Oui, c'est ça, seulement en personne. Oui. Mais ça donne la chance à un peu tout le monde de voir... d'avoir un œil très rapproché sur le travail de l'artiste, ce qui est le fun. Et de voir son atelier aussi, hein? On a vu ça. Oui. Bon, même les papiers essuie-tout. Oui. Mais ce ne sera pas aussi. Parle, moi, tout ce que je veux, c'est me dessiner des mèches pour après pouvoir faire du contour. Bon, OK. Ça, avec un rappel ici, de ce côté-là. De bleu. Alors là, c'est vraiment les traits grossiers, je pourrais dire. Quelqu'un qui aimerait s'essayer à travailler sur le gesso, sur le panneau de bois. Oui. Si on manque notre coup, qu'est-ce qu'on fait? On lave. Puis on remet du gesso? Oui, moi, ça m'est arrivé hein, de reprendre complètement. Parce que je n'ai pas envie de perdre. L'investissement du bois. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas faire ça indéfiniment, peut-être? Non, mais tu sais, tu remets du gesso dessus, là, tu peux le reblanchir, ton panneau, mais c'est sûr qu'on ne le trempera pas dans l'eau, là, parce qu'il va se décoller, mais ça, j'en ai récupéré. D'ailleurs, celui qui est au mur, là, c'en est un, ça. Un rescapé qui n'est pas fini. Tu me permets, je vais te lire quelques commentaires. Oui. Parce que ça vaut la peine dans certains cas. Ah, ben. Ce qu'on dit ici, ce que je trouve fascinant en regardant Lise peindre, son cheval, c'est qu'on le voit petit à petit prendre vie. Son énergie habite la toile. Oh, ben, Dieu, c'est vrai. Ben, c'est ce que j'entends là. C'est drôle parce que quand je peins mes chevaux, c'est ça qui se passe comme émotion, c'est que je le regarde, je m'éloigne parce que souvent je le travaille au mur et à la verticale, mais pas jamais avec l'eau aussi liquide, là, mais quand j'ai des choses de pastel à faire, puis je me recule, puis là je me dis, oh, t'es beau mon cheval. C'est comme s'il prenait vie, c'est vrai. Je pense que le bonheur de peindre des animaux, des êtres humains aussi, c'est particulier. En fait, c'est que
ben, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on essaie de faire passer une émotion dans notre tableau. Et quand tu reçois un commentaire d'un tableau, quelqu'un qui le voit, puis qui ressent quelque chose que tu espérais faire ressentir, c'est oui, toujours... Oui, ben là, ça vient comme... Oui, ça vient confirmer ce que moi, je ressens quand je... C'est comme si, oui, je donnais vie au cheval au fur et à mesure que le tableau avance. Puis c'est pour ça l'importance aussi de se reculer, puis de regarder. Là, je ne le fais pas, mais de temps en temps, je regarde l'écran, puis ça me permet de suivre, d'avoir un recul. Oui, prête pour y donner un nom bientôt. Ah. Au tableau? Au cheval. Ah oui. Mais c'est son cheval, il s'appelle Congo. Ah non, pas pareil, ça pourrait être un autre cheval. Bon. Alors ça, là, je vais accélérer. Quelle heure il est? Oui, bien là, il est 9h15. OK, d'accord. Alors, on va bouger ça un peu. Michel Verville te remercie beaucoup. Allô, Michel. Hey, ça fait plaisir, Michel, de savoir que tu es là. Oui. Plusieurs de tes élèves. Ben oui. Avec tu très fort. Je ne ferai pas tout, là. Parce que je vais aller de ce côté-ci vers le fond. Est-ce que tu penses que Congo sait que sert beaucoup de sujets à tes tableaux? Je lui dis, hein, j'ai dit, est-ce que tu sais que tu es une vedette, toi? C'est que là, tu sais, j'ai pas grand réponse, là, mais je pense qu'il sait. Ouais. On aime ça sans compter les bonnes. Ouais, surtout, on n'appellera pas la SPCA pour Congo, là. Hein, non. Je pense qu'il est assez bien traité. Oh mon Dieu, que oui. Je lui dis des fois, parce qu'il y a un grand champ à lui tout seul, il sort quand il veut de son écurie, il rentre quand il veut. Il est bien traité. Là, je lui dis des fois, là, est-ce que tu sais qu'on voit que tu es chanceux, toi? Tu as le clair de lune, les étoiles à toi tout seul, le chant. Et t'en avais un autre cheval aussi. Là. J'avais mon vieux Gimli. Ben oui, lui, il est décédé de vieillesse. Puis Congo, ben, est devenu mon cheval. C'était le cheval de Michel, puis... Moi, j'ai décidé qu'on gardait Congo. Je le gardais. Il est trop fin. Ça fait depuis, il y a deux. Là, maintenant, il y a 22 ans. Et il y avait deux ans quand on l'a. Alors, tu sais, ça fait partie de la famille, hein. On augmente le contraste.
OK. Ça, pour l'instant, je laisse ça comme ça. On va... Je sais pas. Alors, mon bleu turquoise, Diane. Oh! Oh là là! De l'aquarelle liquide. Ouais, c'est la. Ça, c'est de l'aquarelle c'est liquide. Idrus. De l'aquarelle liquide. C'est le fun. Idrus. Ah ouais? Ouais. Mais bon. L'aquarelle liquide, c'est la pâte d'aquarelle avec de l'eau? Pas tout à fait. Là, je ne sais pas c'est quoi les ingrédients secrets. Okay. Je cherche mon pinceau. C'est pas ça qui est important. Mais quel tu cherches? Mon pinceau plus large, plat. Ah, oh, il est excellent. Ah! Bon. Là, ça va exploser. Ouais, là, on va mettre du bleu. Hmm? Sans peur. Regardez la lumière ici. Regardez la lumière sur les côtés. Alors là, c'est vraiment du peinturage. Moi, je faisais ça, moi, hier. C'est ce mot. Dans ma salle de bain. Bon. Ça reste quand même transparent. Oui, c'est vraiment mais très concentré, ces couleurs-là. Là. C'est pour ça que quand on les dilue avec de l'eau dans une bouteille, ça fait pas la même chose. Ça fait moins foncé, mais ça fait de la belle couleur. Puis j'ai plusieurs couleurs. J'ai le jaune, un rouge, de couleur primaire. Donc, même sur le, voyez-vous, sur le, vous voyez pas, sur le pastel. Oui. OK, on va lancer. Je ne vaporiserai pas de l'eau. On va attendre un peu que ça sèche. Et là, en attendant, j'ai une étape. En attendant l'étape ici, moi, je vais prendre un petit papier sablé. Oh! On utilise de tout. Là, tu grattes. Mm-hmm. C'est ça qu'on voit dans tes toiles, les effets de... Sur le... Je pourrais attendre que... Ça soit plus sec. C'est fait, il faut que je... Quand c'est humide, il faut que je tourne mon papier parce que sinon je traîne la couleur. Allez. Et ça, quand c'est humide, il ne faut pas trop peser fort parce que ça gratte aussi le gesso. Ton aquarelle liquide, là, Idrus, tu procures ça aussi chez Dessin ou ils ont ça? Idrus, je l'ai pris chez HM, mais ils l'ont certainement chez Dessin. Moi, j'en ai pris chez Dessin aussi. Ah ouais? Ouais. Et
La couleur que tu as mis tantôt, là, c'était du turquoise, hein, l'aquarelle liquide? C'est turquoise, oui. Je regarde à l'écran, je ne sais pas si des... J'en vois plus du bleu royal. Je pense que c'est ça, oui. Ça ressemble bleu, parce mais que c'est vraiment ça pas... altère un peu. On ouais. pense qu'on perd du jaune. Du... Pour que ça fasse... Oui, je m'attendais à avoir une question sur papier sablé. Oui, c'était du papier sablé. Ouais. Et pour les gens qui ont une fibre menuisier, c'est quel combien de grains? Oui, bonne 80, question. Je pense que c'est ça. Hein? C'est du... Oh là là, attends un peu. Il est très gros. Parce que là, j'en ai deux, là, ouais. ici. Oh, 60, oui. Ouais, c'est gros, 80. Mais ouais. c'est ça. A... C'est ça, ça prend quelque chose de gros. Oui. Si, quand tu grattes comme ça avec un papier sablé ou avec ton exacto, si tu veux revenir par la suite sur le papier aquarelle, on ne peut pas, ça altère la surface ah du non, papier. Non, 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 je ne ferais pas ça sur le papier aquarelle. Mais là, si tu veux revenir, c'est possible avec l'aquarelle par-dessus l'endroit où tu as gratté? Oui, mais on va voir la marque. Ah, OK. Oui, ça graphine vraiment là, aussi. OK. Oui. Juste de passer mon pinceau plat avec sur le bord de la couleur, ça va me faire une lueur bleutée. Ça va adoucir aussi. Ouais, c'est l'avantage de pouvoir se voir sur une caméra, hein, oui, voir ce qu'on fait. Ouais. C'est comme si on prend un recul. Mmh. Oui, c'est ça, ça. C'est très pâle sur l'image, mais en fait, le tableau est plus coloré. Oui. Mais de toute façon, il y a des lavis qui vont être mis. On voit comme c'est facile là, ben oui, hein? d'aller chercher. Et même sur, c'est ça, tant que c'est humide, là, tu sais, ça peut... Je peux le faire même sans l'égratigner avec un... Là, c'est plus humide. Là. Ben, un petit peu, mais pas tant que ça. C'est une autre technique. Travailler sur un panneau... Ah oui, c'est tout à fait différent. Les gens vont vouloir l'essayer peut-être chez eux. Ben oui. Quelqu'un demande est-ce qu'une toile Frédéric donnerait le même résultat? Oui, mais on ne mettrait pas le papier sablé. On ne sablerait pas. Là. C'est quoi ça, une toile? Frédéric's, là, c'est une toile aquarellable. Ah? Ouais. Ah, tu n'avais pas essayé. On sortit ça à un moment donné. Hein. Oui, oui. Oui, ça ferait le même effet, en fait. La seule chose, ça se travaillerait de la même façon, un peu comme sur le papier Yupo. Yupo? Oui.
Mais sauf que c'est ça, là, on ne va pas sabler ou gratter avec l'exacto. Mais le fait que ton panneau est rigide à cause que c'est du bois, ça doit faire une autre chose, une autre façon de travailler. Tu peux gratter facilement parce que c'est rigide. Oui, c'est ça. C'est... Nice. Un peu long les cils. On va corriger ça avec le fond. C'est sûr que ça, c'est à finaliser. Là. C'est vraiment pas terminé. Je vais l'approcher de la caméra pour qu'on voit peut-être plus les contrastes, les couleurs. Ça, l'œil à droite est à renforcer un peu. On comprend que c'est un bon contrat à faire dans un court laps de temps. Là. Oui, c'est sûr. Ouais. Là, la dernière étape, là, c'est sûr que je ne le finirai pas, mais la dernière étape, ça va être vraiment de mettre le pastel sur le fond à gauche. Là. Ah, OK. Ouais, pour donner des nuances de couleur, c'est ça? Pour que tout le monde voit. Oui, mais pour faire vraiment un effet très fort, très contrasté. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, l'œil a repris là, sa place. Là. Maintenant, avec le pastel noir. Là, je viens, mais là, c'est vraiment noir. Ah oui, ça fait là, noir. Ça colle. Et le plaisir que j'ai quand je mets mon pastel, c'est que je pèse plus ou moins pour laisser des endroits qui sont bleus. Ouais. Alors, si je viens ici entre pour que ça donne vraiment contraste. Près de la zone de lumière de l'œil du cheval pour accentuer l'œil. On va remettre. Je vais me placer ici pour que vous voyez. Alors, les cils sont trop longs. On va les badigeonner. Il met du mascara. Ici, ça peut être très noir. C'est vraiment, vraiment... Fait, finalement, ton bleu, ton aquarelle liquide était comme pour faire une teinte au noir. Mais tu joues avec... Je joue dépendance. Ouais. C'est ça, de la force, l'appui que je mets sur la spatule. Là où c'est mouillé, ça va faire brillant. Mais quand on vernit, après, ça ne paraît plus. Mais là, je vais attendre. Le vernis, ça t'applique ça quand c'est vraiment sec. Quand c'est, tout est sec, quand c'est signé. Tu mets plusieurs couches de vernis en aérosol toujours? C'est Michel qui vernit. Ah, c'est Michel qui vernit. Oui, c'est lui, oui. Ah. Puis il met 4 couches comme il faut, en couches minces. Là. Ouais. Puis après, ce qu'on fait, c'est que pour vérifier, c'est qu'avec un linge humide, on va frotter là où c'est très foncé. Et si ça ne colore pas, ben, c'est correct. Puis si ça colore, ça veut dire que là, il y a un problème. Une autre couche. Hop, c'est tout? Et une autre couche. Donc, ça, ouais, c'est ça. Alors, là, j'ai laissé quand même des nuances de bleu. Finalement, c'est le même principe, le vernis, que lorsqu'on maroufle une feuille sur un panneau de bois, finalement?
Non? Oui, après avoir marouflé, oui, on va verner, oui. Hein? Oui. C'est ça, oui, oui. Ben, là, c'est ce que je fais. Hein, oui, oui, c'est ça. J'utilise ce produit-là. Et tu vérifies si ça décolore. Moi, je vernis avant de marouflé. Toi, tu vernis avant de marouflé. Oui, en fait, oui, c'est ça. On vernit avant, oui, parce que quand on maroufle, on peut altérer l'aquarelle. Là. Humide en dessous, avec la couleur change. Oui, tu as raison. Là. C'est ce que je fais aussi. Je me semblais, c'est ça que tu faisais. Ben, oui, c'est ça, j'ai dit il y a 3 semaines. J'ai expliqué tout ça. Tu vois, puis. Je reviens. C'est vraiment magnifique, hein, l'intensité que tu vas chercher avec ton. C'est, l'aquarelle ne peut pas faire ça. Mm. Non, puis ça, je trouve que ça fait. Si je l'approche comme ça, hein, je ne sais pas. Fait le velours. Oui, c'est ça. C'est valable, on ne peut pas garder ça, ce velours-là. Quand tu vas mettre ton vernis, tu vas. Ça fait le même effet. L'effet ne se perd pas. Oui, l'effet ne se perd pas. Si je mets satiné, oui. Ah, hein? Parce que là, ça va donner une luisance, là, mais. Hop. Maintenant, si tu mets moi, c'est correct. Oui, c'est ça. Voilà. Tu lui fais des cheveux, là. T'es une bonne coiffeuse. Oui, merci. La spatule que tu utilises, c'est une spatule conçue pour appliquer du pastel comme ça. C'est fait exprès, oui, on les achète. D'ailleurs, je trouve que c'est assez cher pour un petit outil en plastique. Le foam, ça, toi, tu les, tu peux acheter les différentes formes. Tu as la forme comme ça, en ogive, là. Ah, puis tu as carré, tu as en triangle. Alors, c'est vraiment... Pourquoi c'est ça? Ouais. Et puis là, avec les spatules à la forme adaptée. Là. On ne lésine pas sur les produits. Quand on... C'est très bien. Ouais. Mais je pense que je ne veux pas déborder dans le temps. Arrêter. Je pense que ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est s'il y a des gens qui avaient des questions. Qui avaient des questions, ben, j'ai répondu pas mal au fur et à mesure. On a eu beaucoup de bons commentaires. En utilisant du pastel, et de les collines et de l'aquarelle, est-ce que ça rentre dans la catégorie mixed media? Oui. À partir du moment où je mets du pastel, même si c'est juste aquarelle et pastel, je mets media mix. Media mix. Est-ce que tu veux que les gens lui parlent directement? Je vais poser si vous avez, s'il y a des gens qui ont qui aimeraient poser une question de vive voix à Lise, si vous voulez juste identifier en levant la main sur il y a des icônes là, dans le bas de votre écran, ceux qui sont sur Zoom. Malheureusement, ceux qui sont sur YouTube, vous devez l'écrire, mais ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez lever la main, puis je pense que je vais être en mesure de vous ouvrir votre micro. J'espère, du moins. Alors, s'il y en a qui auraient des mots
les messages à passer. Ça va me faire plaisir, en tout cas, d'entendre vos commentaires et puis si vous avez aussi, des questions. S'ils ont des choses de gentilles à dire aussi, que c'est beau. Oui. Bien, plusieurs personnes ont indiqué qu'ils trouvaient ça très intéressant. Nous remercier à l'atelier d'aquarelle de partage de faire ces présentations, d'organiser ça. Et ici, il y avait quelque chose que je disais. C'est juste wow, moi qui peins des chevaux à l'huile, je vais essayer avec aquarelle. Ah. Merci pour les bons conseils. C'est vraiment beau et j'adore le pastel. Mais je suis très contente que ça vous inspire pour peindre à l'aquarelle. C'est beau aussi à l'huile, c'est différent, ça donne un autre effet à l'aquarelle. J'en ai une à l'huile. Une à l'huile qui a été faite par transparence. Alors, la personne qui peint des chevaux à l'huile, peut-être ça peut vous intéresser de savoir un peu, moi, comment je peins à l'huile, rarement, mais je peins par transparence à cause de ma formation d'aquarelliste depuis tant d'années. Je suis incapable de mettre du blanc. Alors donc, je vais travailler en diluant mon huile et ça donne des effets intéressants. On pourra peut-être tout à l'heure montrer mes chevaux qui sont pas terminés, mais qui sont peints à l'huile. Alors là, je vais quand même terminer comme ça. C'est sûr que le tableau ne sera pas fini, mais quand il sera terminé, l'atelier d'aquarelle, regardez ici, je trouvais ça un peu désagréable pour moi. Là. Alors juste avec un Kleenex comme ça, je viens estomper. Maintenant, il y a une chose avant de terminer que je veux dire. C'est ce que, quand je parlais de texture, aller chercher de la texture, là, il faudrait presque que je sois surélevée pour qu'on le voie. Ouais. Je vais faire ça comme ça et je vais essayer de ne pas bouger, mais de vous montrer comment je peux aller chercher la texture qui a été faite avant avec le gesso. Alors, peut-être dans un endroit où c'est plus coloré, vous allez le voir. Alors, mon pinceau était essoré sur mon linge et à plat comme ça, puis avec mes doigts, je fais une pression en tournant comme ça. Et si vous remarquez ici, si je ne bouge pas, là, je vais tourner mon pinceau, je vais le faire un petit peu plus. Je pense que vous pouvez apercevoir la texture. Oui, on le voit. Bon, parfait. Je suis contente parce que... Alors ça, c'est une chose que j'adore faire. Le chat que j'ai montré au début, j'ai fait la même chose. Et je trouve ça intéressant parce que, surtout quand c'est pour un cheval, les petits poils du visage, là, ça donne un effet texturé. Ouais. Je pense que, oui, on a dit que... À un certain endroit. Oui, ouais, à certains endroits. Et ici, tout à l'heure, j'ai frotté avec mon... On va l'essuyer, le pinceau, et aller rechercher encore des textures. Donc, c'est pour ça, quand tu appliques ton gesso, c'est important d'avoir un beau petit gros pinceau. Oui, c'est ça, oui, le beau petit gros, très, très, très délicat. Un pinceau. Ça laissait beaucoup de traces, alors c'est ce que tu cherchais. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis, si je veux venir créer des textures, je peux y aller aussi avec. Le sable comme ça. Magnifique, ben, merci. Ben oui, ben là, ce que tu as commencé à dire tantôt que lorsque tu pourras lorsqu'il sera terminé, tu pourras en prendre une photo, puis oui, effectivement, oui, on pourra le partager. Oui, oui. Je vais maintenant, question que tout le monde se rappelle, ta belle figure.
Je vais changer la caméra. Non, je suis. Je suis toujours là. Regardez. La preuve que c'est moi qui ai peint. Oui, c'est ça. Alors, il y avait Diane aussi. Oui, j'avais un petit public. Oui, on était là. Mais je vous... Bonjour, Lise. Allô, bonjour. Je suis contente d'entendre vos voix. Allô, merci. Ah, ça a été un plaisir, vraiment. J'espère que ça vous a plu. Oui, bravo. C'est magnifique. Une technique qui n'est pas, traditionnelle à l'aquarelle. Hein. C'est sûr que c'est complètement hors norme pour les puristes d'aujourd'hui et d'autrefois, mais c'est une technique que j'ai adaptée. Au fil du temps. Super. Une question. Est-ce que lorsque vous diluez votre huile, vous la diluez avec quoi lorsque vous faites de la peinture? Ah, mais oui, c'est le fameux médium. Excusez-moi, je vais raccrocher parce que mon téléphone, j'ai enlevé le son, mais ça ne marche pas. Je le dilue avec le fameux médium à l'huile. Mon Dieu, comment ça s'appelle? Liquin? Est-ce que vous connaissez ce médium? Non, je ne connais pas, justement. C'est pour ça que je pose la question. Mon panier en dessous, là, Diane. Regarde mon panier. Je vais vous montrer. Là. Vous allez trouver ça chez Omer de Serre ou à Shell. Liquin. Et puis l'huile. Liquin. Ça, c'est... Médium gel léger, liquin. Ouais. Voyez-vous? D'accord, oui, d'accord. Alors, c'est Winsor & Newton. Celui-là, il est très vieux parce que regardez la couleur, normalement, c'est plus pâle. Ça, c'est l'huile qu'elle a fait. Oui, et là, c'est ça, j'ai travaillé par transparence. Alors, les blancs, c'est la toile. J'ai comme ici, avec un pinceau, je suis venue comme exactement de la même façon que j'ai fait ce soir. J'ai enlevé. Il n'est pas terminé. Ah, oh, c'est bien de le mentionner. Oui. Ça fait longtemps qu'il est là. Parce qu'on pense. Toutes les sessions que tu as suivies, d'ailleurs, il y a un peu de temps. Je l'ai vu. Plusieurs années. Oui, alors des chevaux jaunes. Peut-être l'inspiration de Gauguin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une luminosité, c'était en Camargue, et puis il y avait les arbres, les platanes, et puis ça donnait une lumière jaune. C'était vraiment magnifique. Alors, je dis, pourquoi pas? Bon, ben écoute, Lise, je pense que il y a beaucoup de merci, beaucoup de félicitations. Merci. Oui. Et puis, ben nous, merci. Personnellement, merci de nous avoir accueillis chez toi. Ça fait vraiment dans plaisir. Dans ta demeure, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est très intéressant. Oui. Et puis, nous, ben, on est très heureux aussi de voir, on a eu près d'une centaine de personnes, de participants. Alors, on est très heureux de ça. Et un petit peu de promotion pour notre association. C'est notre dernier atelier des mots avant Noël. Le prochain, pour ceux qui sont de la région de Laval, on a un marché de Noël la semaine prochaine, la fin de semaine 27-28, hein, c'est ça, Diane? À Sainte-Rose, allez sur notre site web, vous allez voir les promotions de ça. De quelle date? C'est samedi puis le dimanche, 27-28. Oui, c'est ça, 27-28 novembre. Et puis, on va reprendre nos activités en janvier. On a encore probablement des bonnes surprises. Alors, manquez pas ça. Regardez, là, si ça vous intéresse de voir les vraies couleurs, peut-être, là, parce que je pense que ça va... Oh, oui, c'est assez bien. C'est assez représentatif, je pense. Ouais. Alors, il reste à le terminer. Je pense que le turquoise de tantôt était celui qui a eu le plus de changements, qui était affecté par les couleurs. Oui. Les autres couleurs sont assez exactes. Ouais. Bon. Alors, voilà ce que... Est-ce que Lise fera une démonstration en atelier, éventuellement? Éventuellement. Peut-être. Ben oui, peut-être. Ça, si l'atelier le partage, le souhaite, pourquoi pas.
on n'aura pas si 100 personnes, par exemple. Non, c'est ça. Mais c'est alors, merci à tout le monde. Ça a été une belle expérience. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde et bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.